Alors qu'ils s'apprêtent à affronter l'Australie pour leur dernier match avant la Coupe du Monde de rugby, Damien Penaud et Thomas Ramos se sont offerts plus tôt dans la semaine une belle journée avec leurs amoureuses. C'est une dernière répétition générale avant le grand show, mais certains semblent inquiets de ce match face à l'Australie, tant l'adversité pourrait être relevée et l'intensité forte. Il y a quelques semaines de cela, Romain Tamac, l'un des tout meilleurs joueurs du 15 de France, s'est gravement blessé dans un match amical de ce type et depuis, la psychose a gagné les rangs des supporters. Pour certains, il est risqué de faire jouer l'équipe type ce 27 août, comme l'a prévu le sélectionneur Fabien Galthié et tout le monde prie pour qu'aucun joueur ne se blesse, à quelques semaines du début de la compétition. Qui dit équipe type, dit Damien Penaud et Thomas Ramos, deux des tauliers de l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Deux joueurs en très grande forme et qui ont eu la chance de passer un peu de temps avec leur chérie un peu plus tôt dans la semaine. Damien Penaud, en couple depuis plusieurs années avec la sublime Morgane Vernet, a choisi de passer la journée à la plage, du côté de Sortosegor, dans les Landes. Une journée qui s'est terminée par un beau coucher de soleil devant l'océan, comme la belle blonde l'a montré dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, sur Instagram. Très amoureux et paxés depuis l'année dernière, les deux tourtereaux se sont également offerts un beau pique-nique avec pizza et salade de fruits. Thomas Ramos toujours aussi amoureux de Sophie de son côté, Thomas Ramos a pu passer sa journée de repos avec Sophie, la femme qui partage sa vie, comme il l'a montré sur Instagram. Le couple s'est également rendu en bord de plage pour profiter d'un moment à deux. Un couple très soudé, d'autant plus face à la maladie puisque la jeune femme est atteinte depuis plusieurs années d'une maladie qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Je savais que je n'avais pas toujours été là quand il le fallait. Le fait de m'engager, c'est pour montrer que le rôle de l'homme, du conjoint est très important, a expliqué le rugbyman de 28 ans, devenu ambassadeur de l'association Endo-France, dont la présidente et marraine est Laetitia Milo. De beaux moments pour Damien Penaud et Thomas Ramos, qui ont pu recharger les batteries avant ce dernier match de préparation face à l'Australie.